Aujourd'hui, plongée dans l'eau qui fait du bien, ou plutôt qui fait des miracles, je rencontre Sophie, directrice des Thermes d'Aven. Bonjour Sophie. Bonjour Léa, bienvenue à Aven. Merci à vous de m'accueillir dans votre cocon. C'est vrai que c'est magnifique et dès l'entrée, on se sent déjà mieux. Et oui, c'est l'ambiance et le charme d'Aven. Qu'est-ce que c'est Aven ? Alors Aven, à l'origine, c'était une source thermale et puis un village s'est construit autour de ce village, donc une station thermale, un site avec une unité de production de produits dermocosmétiques, un laboratoire de recherche qui est le laboratoire de l'eau, bien sûr un magnifique hôtel. Et bien évidemment cette source qui est en dessous, si j'ai bien compris. Alors la source, elle est dans cet impluvium qui est ce bassin qui va collecter les eaux de pluie qui vont se transformer en eau thermale. Donc on vient de passer là au-dessus d'un des captages de la source qui s'appelle la source Saint-Odile. Qu'est-ce que c'est que le thermalisme ? Le thermalisme, c'est une science médicale qui permet de soigner à base d'eau thermale qui devient du coup le médicament thermal. Sophie, les bienfaits de l'eau thermale, c'est pour tout le monde ? Ça peut être effectivement pour tout le monde parce qu'on a la cure thermale pour nos patients qui ont des maladies dermatologiques inflammatoires et la cure bien-être pour les personnes qui ont une peau sensible, intolérante ou voire même une peau normale. C'est ce que je vais tester maintenant. Ah, j'ai l'impression que vous avez hâte. Oui, j'ai très hâte. Envie d'un retour aux sources ? Connectez-vous sur notre chaîne YouTube Lab4Care pour plus d'infos.